Qu'est-ce que tu fais? On appelle ça les prises de vidéo surprise. Non. Traverser la forêt un jour pour aller dans le village voisin. C'est une grande forêt. Faites la C ou bien la C. C'est bon. Poche. Thème central du spectacle et sans bingo. Un questionnement sur la fonction sociale du compteur depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Ce spectacle met en exergue un compteur sur une terre étrangère où les gens vivaient en autarcie pour se faire une place dans ce village asocial. Il compte et rassemble des ennemis autour d'un arbre, les faisant partager la même histoire. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux sont un moyen efficace de communication. Mais en même temps, l'humanité sombre dans l'individualisme à cette ère numérique. Le conte et les conteurs sont assez perdus. Dans cet capharnaüm de la modernité, le capitalisme effréné divise. Est-il possible de coudre ce monde déchiré par ce matérialisme triomphant? Les conteurs, porteurs de paroles, semeurs de nouveaux horizons et d'espoir, ont encore le pouvoir et la possibilité de sauver l'humanité avant qu'il ne soit tard. Dans un contexte rude où la vie devient une fresque d'incertitude, il est primordial pour les hommes de vivre ensemble, de se tolérer les uns les autres, d'être et de se serrer les coudes. Loin du ton habituel des conteurs, la démarche artistique de ce spectacle est un questionnement sur l'art du conte en lui-même. Existe-t-il une seule façon de conter? Y a-t-il d'autres manières de raconter des histoires? Et sans bingong est une performance comptée expérimentale où l'espace est une arène de mots qui tisse la ficelle du conte. Des micros sur des trépieds disposés de part et d'autre sur la scène et dans la zone publique. C'est un capharnaüm de proverbes, de poèmes, de contes, de berceuses, de musique, de danse et de joutes oratoires. L'art du conte ici se définit comme un corps à corps entre le conteur et le conte lui-même, entre le conteur et son public. C'est aussi un voyage vers l'incertitude. C'est aussi un voyage vers une destination inconnue, une lueur d'espoir brille au crépuscule de l'histoire. Action! Non, vous tous, vous levez le doigt. Action. Sabonne. Action. Sabonne. Action. Sabonne. Oui. Non, mais vous tous, vous dites aussi oui, non? Oui. On reprend. Action. Sabonne. Action. Sabonne. Action. Sabonne. Oui. Oui. Merci. Deux femmes. L'une s'appelait jour et l'autre s'appelait nuit. Chacune d'elles avait un enfant. Jour, son enfant s'appelait Soleil. Et nuit, son enfant s'appelait Lune. Chaque enfant avait sa particularité. Autant Soleil était un enfant calme, docile, régulier, qui ne dérangeait pas ses parents, faisait toujours ses leçons. Autant Lune était fantasque, curieuse, têtu, mal élevé. Quand on demandait à l'une de laver le sol, elle faisait comment? Quand on demandait à l'une de laver les assiettes, elle faisait comment? On dit l'une, lave les habits de maman et papa, elle fait comment? On dit l'une, il faut sacler dehors là. Il faut préparer, l'une fait comment? Lune, il y a classe de main, il faut partir. Soleil, c'était tout le contraire. On dit Soleil, toi l'homme, lève-toi le matin et balaye la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il balaye. On dit Soleil, pour repasser dans le papier, maman. Soleil fait comment? Un jour, Dieu donne vin. Il dit Adam jour et Adam nuit de bénir. Et qu'il aimerait les récompenser en octroyant des dons à leurs enfants selon qu'ils ont été dociles ou pas.
Il demanda à Dame Jour ce qu'elle aimerait que Dieu fasse pour son fils. Dame Jour lui dit, elle aimerait que son fils soit régulier dans le ciel, qu'il soit rayonnant et flamboyant. Il demandait la même chose à Dame Lune. Dame Lune se souvint qu'il fut une fois, pendant qu'elles étaient en train de se baigner, Jour et elle, Lune a eu une envie pressante, et entraîna Soleil dans sa course folle. Seulement, elles étaient en train de se laver au marigot, et elles étaient toutes nues. Soleil eut peur de voir sa maman en train de se baigner et s'arrêta au-delà du marigot, loin, caché dans les arbres, et dit à sa soeur qu'il ne peut pas aller là-bas parce que ses mamans sont en train de se laver. Vous savez, chez nous en Afrique, les mamans généralement vont au marigot le soir pour puiser de l'eau, pour faire un peu de vaisselle, ont besoin de laver leurs habits et en passant même se laver avant de rentrer à la maison. Lune n'entendit rien quand Soleil lui dit qu'il ne pouvait pas aller là-bas. Elle y alla dans sa course folle, courant vers ses mères. Mais ses mères lui dirent, ne vois-tu pas que nous sommes en train de nous baigner? Lune n'en tint guère compte. Raison pour laquelle Dame Lune se fâcha. Elle rappela cela à Dieu. Et dit donc, étant donné que ma fille est si fantastique, faudrait que tu rendes sa course folle, que tu la rendes folle, comme on dit souvent. C'est la raison pour laquelle, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'il y aura la lune ou pas? Est-ce qu'elle est là chaque soir? Vous pouvez me donner la raison? Dame lui dit aussi qu'il faut que lune soit nue. C'est la raison pour laquelle on peut regarder la lune dans les yeux sans avoir mal aux yeux. Est-il possible de regarder le soleil dans les yeux? Non. Quand je regarde le soleil dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Et quand je regarde la lune dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Vous devez donc comprendre que dans la vie, il faut être soit comme soleil, constant, régulier et flamboyant dans le ciel, ou comme lune. Fantasme, curieuse. Vous voyez ce qui arrive. La morale de ce conte est que, en tant que jeune garçon, vous devez être docile et régulier et surtout constamment apprendre vos leçons pour être continuellement meilleur à l'école et meilleur de vous chaque jour. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun s'appelle, mais bon, on m'appelle humain, comme un être humain. C'est tout, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom. Mon nom, c'est juste qui est humain. Là alors, aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un. Vous connaissez son nom? Non. Il s'appelait Safogun. J'ai dit qui? Safogun. Il s'appelait Safogun. Prononcez bien. Safogun. Il dit Safogun. Safogun. Voilà. Safogun traversait la forêt un jour pour aller dans le village voisin. Il traversait une grande forêt avec plein d'arbres. Vous connaissez les arbres? Oui. Tu peux me donner des exemples d'arbres? Oui, mon ami. Le manguier, oui. Le prunier, oui. L'avocatier, oui, mon ami. Le goyavier, oui, le goyavier, mon ami. Oui, le cacao, oui, mon ami. Oui, le prunier, mon ami. Ah, il y a beaucoup d'arbres. Vous savez ce que ça fait qu'il a fait qu'il a vu les arbres là? Il a dit... Ne va au vent. Le prunier.
Afogan alors était fatigué. Il avait longtemps marché. Il avait mal au dos, mal au pied, il était chauffé. Il a décidé de se reposer au pied d'un arbre. Mes amis, cet arbre n'était pas comme les autres arbres. Non. Un arbre qui parle. Un arbre qui parle. Un arbre magique. L'arbre était grand comme ça. Plus grand qu'un baobab. Oh! Puisqu'on ne pouvait pas voir le sommet. Avec les longues branches tout autour. Et beaucoup de feuilles. C'est au pied de cet arbre que Safgan a décidé de se reposer. Ah, les amis, les paroles, c'est comme de l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Et c'est comme ça, selon parfois ramasser. Voilà. Ça, faut qu'on était fatigué. Et puis, au pied de cet arbre, il ne savait pas que c'était un arbre magique. Il s'est lui-même dit, aïe, si j'avais pas à manger maintenant, cela me ferait beaucoup plaisir. Bam! La table apparue. Avec beaucoup de nourriture sur ça. Il y avait le héros. Il y avait le couscous au jaune. Il y avait les omelettes garnies avec les saucissons. Il n'y avait pas le fiam au Hondo. Le fiam ne n'a pas manqué. Il y avait encore quelle nourriture? Il y avait quelle nourriture? Tu préfères ta nourriture préférée? Il n'y avait pas, mon ami. Coucou! Il y avait le porc. Oui, mon ami, il y avait quoi encore? Il y avait le porc brisé. Le porc brisé. Oui, mon ami, il y avait encore quoi? Le poulet, non? Le poulet brisé. Il y avait encore quoi? Oh, le bœuf brisé, oui, mon ami, il y avait quoi? Le saucisson. Oh, le saucisson, oh, c'était ce qui était dans les omelettes, il y avait encore quoi? Oui, il y avait les queues de porc, c'était sauté, il y avait même un peu les écrits. Oui, mon ami. Yo, il est malin l'oreille jusqu'à où, avec le piment à côté. Oui. Oui, il y avait la chèvre brisée, il a mangé ça pour le plantain non plus. Oui. Le lièvre. Oui, il y avait le lièvre, le cousin du lapin, oui. Oui, avec le poisson brisé, il a mangé avec quoi? Il mange le poisson. Le bâton. Oh, le bâton. Oh, vous connaissez, applaudissez pour vous avoir compris. Ça, il faut qu'il en mange, il était content. Mais vous connaissez pas quel plat ça, il faut qu'il a commencé. Non, pas le plat préféré de ça, il faut qu'il. Le riz pong pong salade mangé avec maricot. Il a tout mangé, ça, boum. Eh, mes amis. Les paroles, c'est comme de l'eau. Une fois des on ne peut plus ramasser. Vous avez vu comme il a pensé qu'il veut la nourriture, elle veut. Ça, pour qu'il m'a mangé, il était content. Il a dit, j'ai trop mangé, je suis sale, sale comme ça, là, c'est comment? S'il y avait un peu l'eau, c'est que je me lavais, non? La douche a paru là-bas. Avec l'eau. Le savon parfumé. L'eau était claire comme l'eau de la piscine. Mais il y avait le savon aux huiles d'avocat. Le savon à l'œil vera. Le savon au ginseng. Le savon aux oignons. Même le savon aux oignons, il y avait. Ça, il faut qu'il se lave. Ça, il faut qu'il se lave. Il se lave. Oh, il avait les anciens pieds, il s'est toujours lavé. Les paroles, c'est comme de l'eau, mes amis. Une fois des on ne peut plus ramasser. Voilà. Ça, vous qu'on a fini de se laver. Il a dit, merde. Les amis. Je crois que, avant de partir, si je me reposais un peu, avant de continuer mon voyage, ça allait être bien. Au matin. Oui. Au matin. Oui, mon ami. Matelas. Il est apparu. Sur le lit, il y a quoi? Le
Le matelas, oui. Les oreillers, oui. Le drap. Oui, avec les draps blancs. La couverture. La couverture rose. Le lit en or. Le lit en or. Oui. La moustiquaire en soie. Ça pourrait ça faut qu'il fait partie d'abord sur le lit comme ça là. Il a lancé la couverture sur lui. Au moment de s'endormir, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit quoi? J'espère qu'un lion ne doit pas passer par ici pour me déranger pendant que je dors. Un lion a parlé. Les paroles, c'est comme de l'eau. Les paroles, les amis, c'est ce que tu dis à ton ami. C'est ce que maman t'envoie faire. C'est le message que vous envoyez aux parents. Oui, les amis, c'est tout ce que tu fais de bien ou comme de mal. Ça vous demande ce qui est bien, a demandé ce qui est bien, ce qui est bien qui est venu, non? Il a demandé ce qui est mauvais, ça arrive aussi, non? Ça veut dire quoi? L'arbre, les amis, c'est ton ami. Regarde ton ami, tu dis que tu es l'arbre magique. Je ne dois pas te dire ce qui est mauvais. Je ne dois pas dire ce qui est quelque chose pour te déranger. Parce que je ne suis pas Safogun. Les paroles sont comme de l'eau. Une fois versée. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer par... Oui. Comment? Comment est-ce que la nuit est née? Je pense que la lune. On va prendre ça de façon trop carré. Retenez plutôt la morale de l'histoire. Je ne veux pas entrer dans les problèmes de religion, tout ça, c'est un compte. Dieu a créé la lune, Dieu a créé le soleil, les étoiles, il a créé la terre, il a créé le sol, il nous a créé. Comprenez la morale de l'histoire qui est que vous ne pouvez pas être comme la lune sur laquelle on ne peut pas compter. Il y a un problème avec quelqu'un qui dit que vous ne pouvez pas comprendre la lune au soleil. Tu ne peux pas marcher dans la nuit. Donc, tu ne peux pas marcher la nuit. Tu vois la nuit. Tu crois que le jour est arrivé. Me suivez? Parce que ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut compter. Pourtant, on peut compter sur le soleil. Mais il faut être régulier, en fait. C'est un problème de régularité. Si vous dites que vous êtes dans la bibliothèque après, vous venez comme petit, je viens de bibliothèque chaque samedi, de 10h à 17h, 11h à 19h. Je viens uniquement apprendre les leçons, apprendre ce que je veux. Tu viens ni fois pas. Je vais le faire constamment. Une fois que tu allumes déjà, je viens lundi, je viens le samedi ici. Je fais encore 4 samedis sans venir. Vous voyez un peu, non? Parce que vous ne pouvez pas avoir le même résultat que celui qui va venir chaque samedi. Entre celui qui vient chaque samedi, prend 2 temps pour apprendre. Et celui qui vient un samedi sur 10, vous ne pouvez pas avoir le même résultat. C'est ça qui est la question. Et d'autres? Oui, mon ami. Comment t'as demandé la nourriture? Tu ne comprends pas, c'est pas la question en fait, mon ami. Comment t'as demandé la nourriture? Une question à la fois, une question à la fois. Laissez lui poser sa question. Il a déjà posé la question. Tu lui commences à Fougueri à demander la nourriture apparaît, non? Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, non? Oui, ça Fougueri, toi ici, non? Quand tu as la bibliothèque, quand tu prends un livre pour lire, qui est pour toi, est-ce que ta tante te dérange? C'est parce que tu es dans l'endroit, tu connais bien comment ça se passe à la bibliothèque, non? Ça Fougueri, c'était quelqu'un de la forêt.
Il savait que quand Dieu veut, le vœu là peut se réaliser. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur. Comme toi, quand Noël arrive, tu veux un cadeau, non? Un jour, papa achète sans te dire. Est-ce que l'arbre, est-ce que le, ça arrive comme ça, non? Quand ça vous a demandé, c'est venu, non? Quand tu demandes, tu as faim, tu veux manger, on trouve même que de n'en manger, non? Ça vous gagne, que quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Et la nature t'écoute. Et la nature t'écoute. Et te donne. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un conte. C'est important de vous expliquer que le conte est un récit imaginaire. C'est un récit inventé qui a pour but de divertir, de distraire, mais de passer aussi un message. Et vous devez comprendre que dans le conte, dans l'imaginaire du conte, tout est possible. On peut essayer de faire parler une table, on peut essayer de faire parler l'étagère, on peut essayer de faire parler un livre. Dans le conte, tout est possible. Parce que le conte, c'est le monde de l'imaginaire. C'est l'imagination, ce n'est pas la réalité. Vous voyez, mais le but en fait, c'est de sortir de temps en temps de la réalité de la vie de tous les jours pour pouvoir nous faire rêver et pouvoir nous faire passer un message sur une situation bien donnée. Donc c'est un peu ça. On va prendre deux dernières questions, deux personnes qui n'ont pas posé de questions. Non, ceux qui n'ont pas posé de questions, oui. Pourquoi la lune était têtue? Peut-être que la lune était têtue parce qu'il fallait un têtu et il fallait quelqu'un qui soit droit. Chacun joue son rôle. Mais maintenant, ici, ça fait appel à ce qu'on appelle le livre de la vie. Vous, en tant que jeune, vous avez le droit, le devoir d'avoir des rêves et de tout faire pour les réaliser. C'est quoi une ambition? C'est quoi un objectif? Tu peux rester là, vous allez ici, tu dis je vais être médecin demain, je vais être docteur demain, je vais être commissaire demain, je vais être entré dans l'armée demain, je vais être je ne sais pas trop quoi, je vais ouvrir une bibliothèque comme tu as fait demain. Maintenant, je te pose la question, comment faire pour réaliser cela? Il faut faire tel nombre d'études, il faut faire tel nombre de classe, il faut bien apprendre ses leçons, il faut être assidu, il ne faut pas redoubler, il faut avoir les bonnes notes. Il faut choisir ses amis, parce que dans l'histoire, Soleil a dit à la Lune que je ne marche pas avec toi, s'il faut aller voir la divinité de Romain, vas-y seul, moi je reste. Il faut avoir cette capacité-là de dire non. Quand on sait que la personne qui est avec nous veut nous entraîner dans le faux, on appelle ça la mauvaise compagnie. Ne pas avoir peur de prendre des décisions. Mais maintenant, il faut avoir des décisions justes, il faut avoir des décisions honnêtes, il faut avoir des décisions réfléchies. C'est ça qui est question. Une fille maintenant. Les filles ne vont pas poser de questions. Une fille doit poser une question. Non. Les filles posent des questions, non? Poser des questions. Moi j'attends la question d'une fille. Non. J'attends la question d'une fille. Non, c'est pas la guerre. Oui, vas-y. Oui, vas-y. C'est, vas-y. Dis quelque chose. Voilà, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'aller chercher les noms des choses dans nos langues. Voilà, ça c'est le nom de la forêt dans sa langue. Et c'est quoi la forêt en ta langue? Voilà, en ta langue, c'est quoi le nom de la forêt? C'est quoi le nom de la forêt? Voilà, c'est ça. Mais dans ma langue, c'est Afan. Voilà, dans ma langue, c'est Afan. Voilà. Est-ce qu'une autre fille a une autre question à poser? Voilà. On vous dit merci. On vous invite dehors pour une photo de famille. Oui, vous avez une question? Oui. J'aimerais savoir le phénomène dans le compte, dans les comptes lune et soleil. Il y a souvent des périodes où des moments
dans la nuit, le soleil et la lune se rencontrent. Comment on peut expliquer le phénomène? Ça, c'est une autre histoire. Je t'invite à être là le jour que je vais la raconter.